Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur le logiciel FreeCAD. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire un entraînement, on va faire un design d'une pièce. Donc, on va faire une conception d'une pièce. Ça nous permet de voir des fonctionnalités au niveau des extrusions et au niveau des esquisses. Allez, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, hein, mets également des likes. Il y a beaucoup de contenu graphique, hein, sur cette chaîne. Je vais mettre aussi en premier lien dans la description la formation complète FreeCAD, hein, une formation qui permet de voir l'ensemble du logiciel en détail, de voir tout le système d'esquisses, différents ateliers pour pouvoir, par exemple, créer tous ces designs. Ça peut être de pièces, ça peut être aussi d'objets, de modèles 3D en utilisant FreeCAD. Donc tout ça va être en premier lien dans la description. Le cours complet avec descriptif des modules, descriptif des sessions. Allez, on démarre. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer par être dans l'atelier. On va travailler dans l'atelier Part Design qui permet de travailler aussi bien sur les esquisses qu'avec des outils de conception qui sont situés ici. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est ici, vous voyez, on a notre élément là et on a la possibilité de venir créer un corps. Donc, je vais créer un premier corps ici. Et comme ça, à l'intérieur de ce corps, je vais pouvoir, par exemple, créer une esquisse. Donc, on peut aller dans, ici, on a modèle, on peut aller dans les tâches à ce niveau-là pour venir créer une esquisse. Sinon, on peut aller directement ici, créer une esquisse également. On va démarrer l'esquisse sur le plan XY, donc vue de dessus, je clique ici. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais directement, alors on peut dézoomer un peu si besoin ou rezoomer, on va venir cliquer ici pour activer la grille. Alors, ce que l'on va faire, c'est un rectangle. Donc, je vais tout simplement créer un rectangle sans dimension particulière. Et ensuite, je vais appliquer mes contraintes. Donc, premier type de contrainte, si on recentrait l'élément, ça va être d'aller chercher ici la contrainte de symétrie. Donc, il faut sélectionner un premier point, le deuxième point qui est situé à l'opposé, et la ligne qui va nous servir d'axe de symétrie avec le clic gauche. Et derrière, on active symétrie. Là, vous voyez, ça vient comme ça. Là, je vais faire pareil ici, je sélectionne ce point, le point à l'opposé, la ligne centrale, et je vais sur symétrie. Alors, est-ce que ça n'a pas fonctionné correctement? On va recommencer. Hop, oups, je suis sorti, on va revenir, modèle, esquisse. Donc là, ça n'a pas fonctionné correctement. Je vais sélectionner mon premier point, le deuxième point, l'axe central, et je clique sur symétrie. Voilà, là, ça a fonctionné correctement. Et vous voyez que maintenant, on est bien centré si je bouge un point. Ensuite, j'applique mes valeurs. Donc, on va cliquer ici et je vais mettre une valeur sur l'axe horizontal. On va mettre par exemple une valeur à 160. Et ensuite, je vais mettre une valeur sur cet axe. Donc, du coup, là, cette fois-ci, je vais chercher contrainte de distance verticale qui nous permet de mettre une distance à la verticale. Et là, on va mettre une valeur. Je vais rentrer 60. Donc, 160 ici et 60 ici. Ensuite, on va simplement créer deux cercles. Donc, je vais prendre mon outil cercle. Donc là, vous voyez, on va aller chercher tout simplement le milieu. Donc, on a 1, 2, 3, 4, on a 8 grands carreaux. Donc, on va aller à 4 ici. Tac. Alors, on peut activer par exemple aimanter à la grille. Et une fois qu'on a fait ça, hop, je vais pouvoir venir créer mon cercle. Alors, même si on a aimanté à la grille, là, vous voyez, on n'avait pas forcément trop de précision. Alors, ensuite, vous pouvez venir rebouger si besoin, par exemple ici. Alors là, j'ai une contrainte qui me dit que je suis sur cet axe-là. Je peux cliquer sur la contrainte et là, supprimer. Alors là, d'ailleurs, ici, si je vais là, hop, on va rezoomer un petit peu. Alors, c'est un petit peu étonnant ici, j'ai mon aimanté à la grille qui fonctionne pas bien. On va mettre, voilà, j'avais pas le snap to grid, j'ai juste le snap to object, donc c'est pour ça que ça fonctionnait pas correctement. Maintenant ça va fonctionner, voilà, correctement, et je vais pouvoir aimanter ici. Alors ensuite je vais chercher contrainte d'arc ou de cercle, je clique sur le cercle comme ceci et je vais rentrer une valeur. Alors, quelle valeur on va mettre? On va mettre par exemple, j'ai une valeur de 12, on va peut-être mettre un petit peu plus, on va mettre une valeur de 16 pour l'exemple. Alors je vais redouble-cliquer ici pour mettre ma valeur de 16. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre le cercle de l'autre côté aussi. Donc, pour mettre le cercle de l'autre côté, on fait une symétrie. Donc, il faut sélectionner l'élément concerné. Et en appuyant sur CTRL, vous sélectionnez l'axe qui va vous servir d'axe de symétrie. Donc, je sélectionne le cercle, CTRL, et cet axe-là, l'axe vert, l'axe Y. Et ensuite, je vais sur la droite. Et là, j'ai un petit listing d'outils qui apparaît, que je peux dérouler. Et on a ce qu'on appelle symétrie.
Ok, donc là on est bon pour ça. On va venir faire notre première extrusion. Donc ici on clique sur fermer. On prend donc l'esquisse, tâche, et on va chercher protrusion. Alors on va faire une petite protrusion avec, ici on peut rentrer la longueur, on va simplement mettre une longueur de 6 par exemple. Et je valide. Ensuite on va retravailler sur une autre esquisse. Donc je vais sur créer une esquisse. On va travailler sur le plan latéral ici, X, Y, Z. Une fois que j'ai travaillé sur mon plan latéral, je vais pouvoir réactiver ma grille. Donc là, je clique sur activer la grille. Ensuite, donc là, on va pouvoir activer aimanter à la grille. Et on va tout simplement prendre ici une ligne et je vais vouloir aimanter à ce niveau-là. Alors, il faut que je zoome. Voilà, je vais pouvoir zoomer. Et on va tout simplement créer une première ligne qui vient ici. Ensuite, je vais créer une deuxième ligne qui va monter. Et là, on va se servir des carreaux. On va prendre ici, par exemple, on va aller avec. Alors, on va mettre une valeur de 44. Et là, pareil, on va monter et on va aller chercher nos carreaux de grille. Alors, ici, ensuite, il va falloir que je fasse un arc de cercle. Alors, ce qu'on va faire, on va aller chercher l'outil qui est situé là. Qui est l'outil, on a. Arc de cercle, centre et point d'extrémité et point sur périmètre. Si je prends le centre, je peux aimanter ici, tac, aller chercher ce premier point et venir monter, on va dézoomer un petit peu et aller chercher ce deuxième point. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller créer un cercle au milieu. Donc je vais aimanter à mon point central ici et on va créer notre cercle. On va lui rentrer une valeur, donc je clique ici. Je sélectionne valeur de rayon et on va mettre une valeur de 16. OK. Donc là, alors, il faut bien vérifier qu'on a bien travaillé sur notre esquisse, qu'on a bien fermé les points. Là, normalement, c'est bon. On va venir valider et tout simplement, on va réeffectuer une protrusion. Alors, au niveau de la protrusion, ici, on peut changer la direction et on a ce qu'on appelle symétrique au plan. Donc, on va utiliser symétrique et on va mettre une valeur de 6. Et tout simplement, on va répéter cette opération-là sur les autres faces. Donc on va aller ici, à ce niveau-là, je vais aller sur créer une esquisse, tac, et tout simplement on va aller chercher notre outil rectangle, j'active la grille, aimanter à la grille, et alors on peut aussi utiliser l'outil rectangle, ça fonctionne. Là on va aller chercher donc 4 carreaux également, comme ceci. Hop. Ensuite je vais aller chercher mon outil cercle. Donc on va aller centre et point d'extrémité, on prend ce point-là, on vient chercher ce point-là, on aimante et ensuite on clique ici. Alors j'ai ma ligne qui est située là, on peut cliquer sur la ligne, appuyer sur la touche suppression du clavier, prendre notre outil cercle, aller prendre le point milieu et ici on va rentrer la valeur. Donc là je peux mettre, voyez ici, une valeur. Par exemple, si je mets 21, ça va donner 21. Alors là, on avait mis une valeur de 16, donc on va rentrer une valeur de 16, comme ceci. Et voilà, si on a bien fermé notre esquisse, ça a fonctionné au niveau de la protrusion, on valide. Et là, on effectue une protrusion. Alors, ici, par exemple, j'ai recompute fail, ça veut dire qu'on a un problème au niveau de l'esquisse. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que l'on fait? On va venir ici. Et on retourne dans modèle et sketch. Donc tout simplement, on va zoomer un petit peu et on va voir si par exemple il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Alors ici, pourtant, j'ai bien mon élément qui a été créé. Là, j'ai bien également mon élément qui a été créé. Alors, on va zoomer un petit peu, on va voir s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Alors j'ai peut-être pas mis mon extrusion également dans la bonne direction. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va retourner sur Sketch ici. On va réactiver à nouveau la protrusion, comme ceci. Donc là, on a des valeurs. Alors ici, vous avez affiché la direction, tac. Vous avez normal à l'esquisse, direction personnalisée. Ce qu'on va mettre, c'est normal à l'esquisse. Et on a également inversé. Alors,
on va rezoomer un petit peu. Et j'ai un problème sur mon esquisse. On va simplement revenir ici. Je vais revenir sur mon esquisse. Tac. Doit avoir un problème au niveau, je pense, d'un accrochage de points. Alors là, d'ailleurs, ça a un peu bougé. Ouais, je dois avoir ces deux points qui ne sont pas accrochés correctement parce que j'avais créé un rectangle dans un premier temps. Donc, je vais prendre ces deux points-là. On va les accrocher. Et là, on va sélectionner ici. Et alors, ici, on va prendre cette partie-là et on va faire un accrochage. On va voir ce que ça donne ici. Hop, normalement, si je bouge, vous voyez là, on a bien eu une accroche qui est réalisée. Donc, du coup, je vais tirer. On va aimanter ici. Là, c'est pareil. J'avais un petit décalage. On va revenir ici. On va voir ce que ça donne. Je pense que je ne devais pas être correctement accroché sur cette zone. On va zoomer un petit peu. On va redémarrer au niveau d'une extrusion. Donc là, il va falloir que je fasse une extrusion et que je mette inversé. Donc, on va cliquer ici, extrusion. Et il va falloir sélectionner inverser pour que ça aille sur la partie intérieure. Il faut toujours que ce soit collé à une partie existante quand on travaille sur le même corps. Ensuite, je vais mettre une valeur de 6 et je valide. Allez, on va faire pareil de l'autre côté. Donc ici, on va s'y prendre différemment. On va cliquer sur cette face-là et on vient générer une esquisse. Alors, donc là, on va s'y prendre un petit peu différemment. On va prendre l'outil ligne plutôt. Ça sera plus intéressant. On va réactiver la grille et tout simplement, on va venir aimanter sur cette partie-là. Donc là, on va faire une accroche, hop, comme ceci, et on va aller, voilà, sur cette zone. Ensuite, je vais appuyer sur échappe, on va bouger un petit peu le point pour être sûr de bien accrocher, voilà, à la grille à moins 30 et à 30. Ensuite, je prends mon outil ligne. Je vais dans cette direction-là, on va avec 40, et là, dans cette direction-là, avec 40. Et là, du coup, je n'ai pas créé de rectangle, donc du coup, ce sera peut-être plus intéressant, puisque là, je vais avoir un accrochage automatique. Donc, je reprends mon arc sans tes points d'extrémité, je vais prendre mon point central, et là, je peux venir aimanter. On va rezoomer un petit peu, re-aller chercher notre outil, et on va, voilà, aimanter ici. On prend ce point-là et là, j'ai une petite icône accrochage qui apparaît et là, on va être bon. Ensuite, on prend l'outil cercle, on vient chercher ce point. On augmente un petit peu la taille de cercle. On vient modifier la taille. Alors, je vais revenir sur modèle, esquisse. On vient effectuer contrainte d'arc ou de cercle et on vient mettre la valeur de 16 et je valide. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors, est-ce que j'avais mis une valeur sur l'autre partie? J'ai dû mettre une valeur supérieure. Hop, j'ai pas fait attention, on va peut-être, si besoin, revenir sur cette esquisse-là. Tac. Alors, là, on est sur celle-ci. On peut revenir sur l'autre esquisse qui était celle-ci. Et là, j'avais... alors, j'ai bien une valeur de 16 qui a été créée. Ici, j'ai mon pad avec mon... esquisse, hop, et ici sur celle-ci, alors là on est bien à 16, hop, on va faire notre extrusion dans un premier temps, donc on va cliquer sur protrusion, on va mettre inverser. Là, c'est pareil, je vais avoir un problème. Alors, des fois, dans FreeCAD, on peut avoir des types de problèmes un petit peu de ce type-là, simplement parce qu'on a des problèmes juste au niveau des accrochages. Donc là, je vais revenir un peu. Donc là, on a bien, hop, notre élément accroché. Là, on va resélectionner ça, on va faire accrochage pour vérifier. Là, je vais reprendre ça. Je vais à nouveau mettre contrainte coïncidente. Et là, on a bien notre arc de cercle. Alors, au niveau ici, j'ai peut-être que le rayon n'est pas correct. On va venir supprimer. Je vais reprendre mon outil cercle ici. On va mettre bien un rayon de 16. On va dézoomer un petit peu. Et on va cliquer sur fermer. Alors, ensuite, je vais aller chercher l'extrusion. On vient inverser la direction. Tac. Et on effectue notre valeur. On va mettre une valeur de 6.
Alors, je dois avoir un problème ici. Vous voyez, notre cercle n'est pas correctement calibré. Alors là, j'ai pas de 3 ici avec le sketch. Voilà, c'était celui-là. Et du coup, on va pouvoir rechanger la valeur. J'avais pas dû rentrer ma valeur. Voilà, la valeur, je l'avais pas validée. Tout à l'heure, par exemple, j'avais mis 21 et ça n'avait pas été validé. Donc, on va bien rentrer notre valeur de 16. Alors ici, il me met une contrainte. Hop. En doublon, donc on va reprendre notre outil, on va recliquer ici et on va re-rentrer la valeur de 16. Et maintenant ça va fonctionner. Je clique sur fermer et là on est bon. Alors après, je vais pas mettre de congé ou quoi que ce soit sur cette pièce, on va rester sur quelque chose d'angulaire. On va simplement terminer le travail, on va cliquer ici et en termes de rendu, on va mettre ombrage comme ceci. Donc voilà, l'un des problèmes de FreeCAD, donc très très bon le logiciel, très intéressant, c'est que on a toujours des fois au niveau des contraintes, des petits problèmes au niveau des accrochages, au niveau de la fluidité. Des fois, enfin, on va pouvoir accrocher et des fois, suivant l'outil sélectionné, on ne va pas avoir d'accrochage automatique. Et des fois, il faut s'y reprendre pour réajuster derrière. Mais on a simplement à revenir sur l'esquisse et voir ce qui ne fonctionne pas. La majorité du temps, c'est des problèmes d'accrochage quand on a des erreurs comme ceci par rapport aux extrusions ou sur d'autres types d'outils. Allez. On va terminer cette pièce. On a terminé. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne. Mets également des likes. Je vais mettre aussi en première dans la description la formation complète FreeCAD. Donc, si tu veux te former avec une structure de cours, étape par étape, ça va se passer en premier lien dans la description. Tout est vu en détail pour bien maîtriser le logiciel FreeCAD. Il y a également différents types d'entraînement et il y a beaucoup d'heures de formation. C'est un cours très complet. Donc, tout ça va être en premier lien dans la description, module, session, descriptif du cours. Et puis pour cette chaîne, hein, sur une prochaine vidéo, je te dis à bientôt et ciao, ciao.